La politique du programme des jeunes du scoutisme mondial, qu'est-ce que c'est ? C'est une orientation globale pour le déploiement et la mise en œuvre du programme des jeunes dans le scoutisme. Cette politique comprend des définitions, des cycles de vie, des principes clés, des rôles et responsabilités, et bien d'autres choses encore. Mais alors, qu'est-ce que le programme des jeunes ? En résumé, il s'agit de l'ensemble des opportunités d'apprentissage dont les jeunes peuvent profiter. Le quoi ? Créer pour atteindre le but du scoutisme ? Le pourquoi et expérimenter au travers de la méthode scout, le comment. Parlons d'abord du pourquoi. Le programme des jeunes est conçu pour atteindre le but du scoutisme, qui est en fait de contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes et au développement de leur domaine de progression personnelle afin qu'ils deviennent des citoyens actifs dans leur communauté. Ensuite, le quoi ? Qui fait référence à toutes les opportunités d'apprentissage qu'offre le scoutisme. Ça veut dire concrètement camper, participer à des projets de développement dans sa communauté, être chef d'équipe, jouer et bien d'autres choses. Chacune de ces opportunités apporte aux jeunes des expériences uniques d'apprentissage. Et enfin, le comment. À travers la méthode scout, le point clé du scoutisme, basé sur l'interaction d'éléments d'importance égale. Et c'est tout ce qu'il y a dans cette politique ? Évidemment non. Cette politique donne également un éclairage général sur le cycle de vie du programme des jeunes, qui est principalement centré sur le déploiement et le développement du programme des jeunes au niveau national. Cette politique précise également le rôle des adultes, qui sont répartis en trois catégories. Le facilitateur, qui facilite la diffusion du programme des jeunes et fait directement le lien avec les jeunes, comme le chef scout. Le développeur, qui développe le programme des jeunes, par exemple le commissaire du programme des jeunes. Et le supporter, qui indirectement favorise le développement et le déploiement du programme des jeunes, il peut s'agir du commissaire général. Le programme des jeunes est l'affaire de tous. Et les adultes comme les jeunes doivent y travailler ensemble, main dans la main. La dernière partie de cette politique contient les principes clés, qui exposent ce que le programme des jeunes doit être. Il doit placer les jeunes au centre, parler d'éducation, soutenir le développement des jeunes afin qu'ils soient des citoyens actifs, être adapté au contexte local en restant cohérent au niveau global, être actuel et pertinent, être ouvert à tous, attractif, stimulant et faire sens pour les jeunes. Le programme des jeunes est l'élément central du scoutisme. C'est la raison pour laquelle il est important de mettre à disposition cette explication rapide de la politique du programme des jeunes du scoutisme mondial. Si vous souhaitez en savoir plus, connaître son histoire, son cycle de vie et bien d'autres choses encore, rendez-vous sur le www.scout.org/youthprogramme.